Pendant les vacances scolaires, certains enfants s'amusent, d'autres ont décidé de travailler. C'est le cas de 14 ados âgés de 14 à 18 ans qui participent aux ateliers jeunes, un dispositif initié par la ville et le CCAS de Rombin. Durant ces 2 semaines, 14 jeunes se sont donc relayés, 8 la première semaine et 6 la deuxième, pour fabriquer 20 sapins en 2D, 4 sapins en 3D, une cabane et lasurer 20 barrières pour le village des Lutins. Un chantier important qui demande beaucoup d'investissement et de travail pour être dans les temps. Épaulée et accompagnée par Laetitia Jacquemin, artiste plasticienne et créatrice du projet, ces jeunes motivés ont donc raboté, poncé, assemblé et lasuré toutes les planches en bois pour avancer sur le projet. Une fois les sapins terminés, ceux-ci seront distribués dans les écoles de la ville afin que les élèves les décorent. Le village des Lutins est donc en pleine construction et vous pourrez admirer le travail réalisé par tous ces jeunes lors de la féerie d'hiver au mois de décembre. En attendant, on rappelle que les ados qui ont participé au dispositif Atelier Jeunes pendant 1 semaine, soit 30 heures de travail, bénéficieront d'une bourse de 120 € qui leur permettra de développer un projet collectif grâce à leur participation active et collective à la vie de la cité.